Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à Street Racer, un jeu sorti sur Saturn en 1996. Alors, Street Racer, c'est un petit peu un genre de jeu qu'on avait entre les 16 bits et les 32 bits, c'est-à-dire qu'on a des graphismes un peu 3D, un peu 2D mélangé. Et vous allez voir, c'est un jeu qui est, ma foi, plutôt sympa. Alors, on peut jouer jusqu'à 8 joueurs en même temps. Alors, je sais pas trop comment, mais en gros, c'est possible. Là, on va jouer tout seul, évidemment, puisque je suis tout seul. On a un game mode normal ou micro. Vous allez voir la différence. Je vais vous commencer par le mode micro, histoire que vous puissiez commencer à comprendre un petit peu. On va voir les options directement. Il y a pas mal d'options. On a le mode expert, le mode novice. On va regarder le mode expert pour le driving mode. On a la difficulté easy, medium ou hard. On va laisser easy. Vraiment pour laisser un petit peu apprécier le jeu. Split screen, on peut être en mode box ou wide, donc ça c'est quand on joue en écran partagé. On a un nombre de tours à faire, donc on va garder 10 tours, ça me paraît correct. Parce que c'est les circuits qui sont assez petits. Le nombre de voitures en practice, c'est-à-dire qu'on peut mettre par exemple avoir tous les IA ou être tout seul. On a le micro-mode en mode isométrique ou en mode flat. Je vais vous montrer parce que c'est un jeu qui est assez sympa, parce qu'il propose deux manières de jouer. Alors, help arrow, yes, ok. Music test, ok. Le sound test, on l'a aussi. Music volume, j'ai baissé un peu. Le sound des fixes, ok. On va baisser un petit peu. Ah, parce que là, niveau son, c'est vraiment c'est vraiment très fort. Enfin, je sais pas si vous en rendez compte, mais pour moi, c'est vraiment énorme. C'est vraiment super fort. J'ai baissé à 5 un tout petit peu. On va faire continuer, donc on va valider. Et on va faire le game mode micro, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va faire mode practice, puisqu'on a les IA en practice, autant en profiter. On a 8 caractères, donc je ne sais pas à quoi ils correspondent. Bon, pour moi c'est des caractères imaginés. Mais en tout cas, on a l'air d'avoir un sorte de magicien tapis roulant, on dirait le sultan. On a un peu Hulk, ça aurait une voiture verte. On dit un homme préhistorique. Ensuite, on dit un combattant à la Street Fighter. On a un agent secret avec une voiture un peu sportive. On a une jolie demoiselle avec un buggy un petit peu... on dirait un peu un buggy coccinelle. Le jogging coccinelle. On a le papy sur sa vieille voiture de sport. Oh, ou même carrément le Volker, le triplan allemand. Et on a un indien, on va dire. Indien ou asiatique, je sais pas trop. Sur un petit peu mode sumo. Et vous pouvez voir que c'est le plus lourd, puisque regardez, il a une bonne grip, une bonne manière de piloter. Mais il a par contre une accélération qui est assez basse. On va commencer avec le premier. Tant qu'à faire. On va valider. Et donc, on peut choisir les tracés. Donc vous pouvez voir qu'on a aussi 8 tracés correspondant à 8... aux 8 personnages en fait, 8 environnements, 8 personnages. Et vous pouvez voir que dans ces tracés, on en a plusieurs au choix. Alors pour l'instant, j'en ai qu'un. Donc on va faire le premier. Et on va voir du coup ce que ça donne. Donc c'est parti, vous allez voir, ça va être très rapide. On va être en mode micro. Donc c'est en vue de visu isométrique. Alors par contre, le son est vraiment trop trop fort, c'est impressionnant. Je sais pas comment c'est possible de jouer. Pour vous, ça ira, mais alors pour moi, c'est vraiment trop fort. On va faire continuer. Voilà, continuer. Et c'est parti. Alors on est, vous l'aurez compris, celui qui part dernier. Et donc là, le but, c'est... Bah, c'est arrivé premier, hein, ça reste une course. Alors ça, c'est une practice, hein, y a rien en jeu. Je vous expliquerai un petit peu mieux quand on sera dans l'autre vue, parce que là c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, on a des items sur le sol, on a des étoiles, on a une sorte de missile, on a aussi des dynamites. À savoir que, bon, les étoiles, ça nous permet d'avoir des turbos. Le turbo, ça nous permet d'aller plus vite. Donc par exemple, là, je vais essayer d'utiliser... Alors, on va essayer de voir où je suis, hein. Je vais essayer d'utiliser là. Voilà, vous voyez, j'ai une petite flamme derrière. Et ça me permet d'aller temporairement plus vite. Et on a un nombre de turbos comptabilisé en haut, à côté de mon personnage. Voilà, j'en ai 7.
Si j'appuie à nouveau, j'en ai 6. Au-dessus, voilà, j'ai 6-0. Là, j'en ai récupéré en prenant des étoiles. Alors, j'ai aussi le mode tapis roulant. Je sais comment on fait pour le faire. Alors, attendez, normalement, il y a une touche pour l'utiliser. Mais je suis pas sûr de l'avoir touché, de l'avoir eu, cet item. Alors là, je l'ai pas. Peut-être qu'en mode. Dans cette vue-là, on l'a pas. Allez, je vais essayer d'utiliser un petit peu le boost. On va passer sur le côté. Aïe, je me suis pris la petite mosquée au début. Alors, c'est vrai que ça paraît ultra fouillis, mais c'est souvent ce genre de course auquel on a affaire quand on est en mode isométrique. Allez, c'est un tour, on met tout le turbo à fond, à fond. Aïe, 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 on a fini quatrième. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, vous allez voir qu'en mode. On peut recommencer, hein. Payback, continue. On va faire exit, on va revenir directement au mode normal. Alors, on revient évidemment tout au départ. On va mettre le mode normal qui sera plus simple pour vous de. À comprendre. Alors, le mode isométrique, c'est sympa, ça permet de jouer à plus de monde, hein. Ça permet vraiment de jouer à 8, 8 dessus parce que vous imaginez bien que la console. J'ai splitté un écran en 8 avec le mode vue normale qu'on va découvrir là. Ça va être quand même assez bizarre. Donc on va garder ce mode là. On va faire. Alors pas un mode championship, je vais faire un mode practice encore, histoire de vous montrer un petit peu. On va faire un autre. On va changer de joueur, tiens. On va prendre. Bon, on va prendre lui, tiens, pourquoi pas. Voilà. Je vais faire exprès de reprendre le même circuit pour couvrir quand même la différence et après on prendra d'autres tracés. Voilà, donc on est en mode maintenant, je vais dire mode classique. Voilà, on a 0 turbo à droite, on a 1 tour sur 10, le temps évidemment. On a la petite mini carte aussi pour savoir où on en est. Et on a des items sur le sol toujours, voilà, j'ai pas réussi à récupérer un turbo que je vais utiliser bah, si je peux bientôt. Je peux taper, voilà, là, c'est ce que c'est ça, je n'ai pas pu vous le montrer tout à l'heure. Je peux frapper avec les touches L et R, voilà, et du coup je peux essayer de les dépasser en les tapant, ça c'est pas mal aussi. Je vais utiliser mon turbo, essayer d'en récupérer un petit peu là, voilà, et regardez on a aussi des... Aïe, je me suis pris un item, j'ai pas vu. On a droit aussi à des dynamites, alors si on roule sur les dynamites en fait on a un compteur qui va s'enclencher. Et dès que le compteur arrive à zéro, bah, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Ben on explose, donc du coup on perd du temps en course. Donc je vais essayer d'éviter d'y aller dessus. De toute façon je vais sûrement vous le montrer au bout d'un moment parce que je vais sûrement me louper. Alors j'ai plusieurs vues, regardez, je vais pouvoir avoir une vue un petit peu plus loin. Et j'ai failli prendre la dynamite d'ailleurs. Ouais, j'ai essayé de prendre ça. Alors chaque... il me semble que chaque... Ah ben voilà, là j'ai pris la dynamite. Donc il me reste 18 secondes. La seule solution pour m'en sortir, alors je vous montre une autre vue au passage, c'est de reprendre un bâton de dynamite. Vous voyez, hop, ça refait passer le curseur à 20 secondes. Et là, mon but, c'est un petit peu de survivre et prendre tous les bâtons de dynamite, sinon je suis mort, voilà. 20 à nouveau. Il y a lui aussi un bâton de dynamite, on va essayer de lui mettre un coup. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. Et vous avez vu, quand on change de vue, bah, la perspective est quand même sympa. On reste 10 secondes. Et on a fini deuxième, on s'est fait avoir dans le dernier, ligne droite. Alors les musiques sont plutôt sympas, bon sauf au départ, vous avez vu l'intro, je trouve ça que j'ai laissé un petit peu longtemps avant de parler. La musique de début est quand même particulière, mais bon, après les musiques sont plutôt cool. On peut voir du coup les lap time ici, donc on a fait un tour en 11 secondes 56, ce qui est le meilleur tour. Par contre le world record à 7 secondes. Là, quand même vachement plus rapide. On va faire continuer. Finish time, voilà, on a perdu. Bon, on a terminé deuxième, c'est pas grave. On va faire exit et on va reprendre le mode depuis le début. Alors, les personnages ont normalement un coup différent par rapport aux autres. J'ai pas pu vous montrer le tapis volant par exemple, mais on a. Par exemple, pour le premier personnage, on peut utiliser un tapis volant. Ce qui fait que pendant un moment, on est en hauteur et du coup, on peut passer par exemple par-dessus les. Par-dessus le gravier, par-dessus une zone qui nous ferait normalement ralentir. On a un mode Rumble aussi, on le verra juste après. On va faire un mode Championship. On a un mode Custom, regardez, on peut même choisir si on veut les courses qu'on va faire. Je vais laisser le mode par défaut, on va faire le mode Championship classique. En mode Bronze.
va prendre notre personnage. Alors j'aimerais un personnage qui soit moyen mais qui est quand même de bonnes stats. Lui il m'a l'air pas mal aussi, hein. Il a l'air assez intéressant. Ah, accélération speed, bon évidemment c'est le plus rapide mais ça va pas tourner. On va prendre lui, tiens. Ah, sympa. Alors ils ont pas de nom. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors on va découvrir un nouveau circuit qui est un petit peu en rond. Et c'est parti. Alors au départ un petit peu chaotique. mais bon. Regardez devant, ça se tape. Et j'ai pris en plus la dynamite. Alors normalement je peux sauter. Ouais, là par exemple j'ai essayé mon coup spécial. Je sais pas à quoi ça servait. Et voilà. Et quand j'appuie sur la touche du haut, regardez, je saute. Hop. Et du coup je peux éviter la petite rivière. J'adore mettre des coups. Hop là, attention, on n'oublie pas de sauter. Voilà, on l'a touché. On est deuxième sur 3. Ah, il faut être deuxième sur 3, hein. C'est-à-dire qu'en gros, pour pouvoir passer à la suite, il faut pouvoir réussir à passer cette partie-là en top 3ème, normalement. Je suis en train de le rattraper. Hop, on n'oublie pas de sauter. Voilà, et j'ai mis un petit coup, je l'ai envoyé en l'air, c'est parfait. Désolé ma poule, mais tu ne passeras pas. Attention, on saute aussi. Hop. Bon, évidemment, il faut être très réactif. Alors, on est dans les premiers circuits, donc c'est pas les circuits les plus difficiles. Je vais quand même utiliser mon boost plusieurs fois parce que là, j'ai perdu un peu de temps. Voilà, on a dépassé. Alors, évidemment, il faut que je place mes coups au bon endroit. On est dans le 9e et 10e tour. Alors ça vous paraît un peu fouillis, c'est vrai que c'est quand même difficile de s'y retrouver. Mais quand même ça va. Franchement il y a bien eu pire, il y a des fois dans les cartes par exemple sur Super Nintendo, c'était aussi compliqué de s'y retrouver. Là on va dire que ça peut aller. Voilà, je vais mettre mon boost à la fin. Et on va remporter la victoire. Il nous restait 7 turbos, hein, donc j'aurais vraiment pu aller beaucoup plus vite. On va faire continuer. Là on a réussi à passer. On a marqué donc 10 points. 18, 6, 4, 3, 2, 1. Eh attendez, c'est presque comme à F1. Mais regardez, on a des points bonus, hein. Punch bonus, hein. Perfect bonus 2. On a des bonus quand on tape les gens, quand on fait les meilleurs tours. C'est quand même pas mal, c'est-à-dire que le nombre de points n'est pas forcément régulier. Il va falloir aussi, pendant qu'on fait notre course, même si on la gagne, il va quand même falloir faire de belles choses. Ah belles choses, il faut le dire vite, mais il va falloir... Il va falloir faire pas qu'uniquement des tours, hein, il va falloir taper les autres, faire un petit peu de... Alors on peut faire un départ normalement un peu plus... Aïe aïe aïe, oula, ça commence très mal. Ça commence très mal. Alors là c'est un circuit en 8. Enfin je crois. Ouais, c'est juste une partie qui est en 8. Oula, ça va pas être évident. Ça va pas être évident de s'y retrouver. Alors c'est marrant parce que ça ressemble un petit peu à du mode 7. Mais c'est pas du mode 7, hein, évidemment, parce que là c'est de la vraie 3D. Bah c'est... Oui, c'est la 3D, oui, c'est un bitmap forcément écrasé, mais c'est pas le même principe que le mode 7. Alors là on est bien passé... Aïe aïe aïe. Alors attendez, je vais mettre un peu de boost. Voilà, on va passer par là. J'ai failli prendre la dynamite, heureusement. Le jeu m'a laissé ne pas me la prendre, donc ça c'est parfait. Par contre j'ai vraiment du mal à m'y retrouver sur ce genre de tracé. Là, il me reste 8 secondes pour me sauver. Je crois que je lui ai refilé la dynamite. Ok, pour l'instant je m'en sors bien. J'ai l'impression d'avoir pris un peu le lead. Alors attention, parce que là j'ai pris une dynamite. Ah, j'aurais dû la toucher à nouveau. Voilà, je lui ai refilé, du coup je suis tranquille. Pour l'instant, je suis deuxième. Alors, je peux déraper un peu trop fort et évidemment me planter. Allez, par contre, là, je suis quatrième. Ça, c'est pas bon. Allez, on va mettre un petit coup de boost. Alors,
Alors là, j'ai plus de boost par contre. Ah si, c'est bon, j'ai plus le turbo. Vous avez vu, je suis passé à côté du turbo, mais le fait d'avoir mis un coup de punch, eh ben, ça m'a permis de le récupérer quand même. Allez, c'est le dernier tour. Pas falloir se louper. Ben, je dis ça, mais... Ah, et voilà, là par exemple. Je vais avoir dans le dernier tour quasiment. Ouf, on finit deuxième. C'était juste, c'était très juste. Alors c'est quand même très difficile d'expliquer ce qui se passe en même temps. Il se passe énormément de choses à l'écran. C'est vraiment fouillis. Mais ça reste un jeu assez fun. Mine de rien, il y a quand même pas mal de plaisir à jouer à ce jeu. Alors on a fait le meilleur tour, donc on gagne un petit point. La ping bonus, on a marqué 2 points. Lui, la bonus star, j'ai le punch bonus. Donc ça c'est bien. Du coup ça permet de rester qu'à 1 point de surf. Et en fait, on voit leur nom hein, réellement. Nous, on s'appelle Suzulu. Il y a Bi, Frank, Raf, Sumo, Oja et Helmut. Donc là, on a leur vrai nom. Round 306. On est toujours premier pour un petit point sur Surf. Et on va dire, on est en round 3, 3 sur 16. Hein. Je dis pas le nombre de rounds qu'il va y avoir. Ok, donc là, je connais. Ce round je connais, donc avec un peu de chance. Vous avez, j'ai réduit un petit peu ma taille. Et quand j'appuie sur L, regardez, je peux aussi déraper légèrement sur les gâchettes. Il me reste 9 secondes pour prendre une dynamite. Voilà, on a remis le compteur à zéro. Oh là, attention, je suis mal placé. On va prendre une étoile. Attention, la petite dynamite gelée. En fait, il faudrait que j'arrive à taper quelqu'un, sinon je vais mourir. Et ben voilà. Alors vous avez vu, ça n'avait pas perdre tant de temps que ça, hein, la dynamite. Là, je l'ai reprise à nouveau, c'est super. Alors, ce qui va être fouillé aussi, c'est le fait que... Je me suis encore prise. C'est que on va prendre des tours à certains concurrents. Qui dit prendre un tour à des concurrents dit que après on sait pas qui on sait plus où on en est tout simplement. Voilà, je vais essayer de. Alors c'est pas évident. Je vais essayer de prendre un petit boost. Et vous voyez, j'ai une barre de vie quand même. Hein. Elle est en bas à gauche. Si je la remplis pas avec des étoiles, il y a un moment où je vais plus avoir de. J'ai pu avoir assez de vie. Ouais, ça, on est premier, c'est parfait. Aïe, j'ai pris la dynamite. Mais heureusement, c'était le dernier tour. Alors, au niveau des graphismes, bon, c'est un jeu de 96. Donc, il faut toujours se replacer dans le contexte. Pour ça, je dis, c'est vraiment des jeux à cheval entre la période 16 et 32 bits. C'est quand même pas mal, le jeu a tendance à quand même être super fluide et ça c'est vraiment vraiment super bien parce que c'est un jeu, si le jeu était pas fluide, ça serait quasiment injouable. On a fait le meilleur tour encore, ça c'est bien. Donc on manque 10 points. On a le Vassal Slap, on est à 11. Le Lapping Bonus 2 de plus, le Star Bonus, bon lui il a eu, le Punch Bonus, ah il nous a pris quand même un point. Et le Perfect Bonus, 2 points de plus, ok. On est au round 4, ah non 4 sur 6, 4 sur 16, je me disais que c'était un petit peu beaucoup. Donc là on est à 38 points. Alors ça va se compliquer évidemment je pense pour les prochains circuits. Ah non, là on a un circuit un petit peu plus classique. Alors je veux faire un faux départ, c'est pour ça qu'il faut l'accélérer au bon moment. Voilà, voilà par exemple j'ai fait un départ assez calamiteux. J'ai tous les poussés. Alors, on va passer à l'intérieur. Alors je connais pas le circuit encore. Donc on va essayer de... Je vais faire avec, je vais essayer de prendre le maximum d'étoiles. Voilà. Sauf qu'il ne refile pas le. Qu'il ne refile pas la dynamite. Aïe, c'est vrai que je me suis fait avoir. Alors je peux sauter évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure. Je le fais pas trop parce que bah évidemment j'ai pas le temps de. J'ai pas le temps d'y penser réellement. Aïe, et on a repris une dynamite.
Alors, on l'a refourgué, c'est parfait. Alors, on va essayer de passer par là. Attention, on ralentit un petit peu. Il nous a repris l'intérieur. Un petit coup de boost. Passer par là. Alors j'ai plus de turbo. Et je crois que j'en prends un ou deux. J'ai pas réussi à en prendre un seul depuis tout à l'heure. Si c'est bon, j'en ai encore un. Ah attention. On va se remettre une petite recharge. On va bientôt exploser. Allez, faut absolument que je puisse l'abattre. Ouais, c'est bon. Ah non, c'est bon, elle me l'a redonné. Aïe aïe aïe, elle me l'a redonné. Alors, faut savoir aussi, comme toutes les voitures ont une capacité différente. Voilà, je lui ai renvoyé. Du coup, c'est le dernier tour. Oh non, elle me l'a renvoyé à nouveau. Bon, on va passer par là. Ah, elle est coriace là. Et j'ai gagné. J'ai gagné, mais alors, je sais pas pour combien. Mais je pense que je l'ai gagné pour un millième, quoi, un truc comme ça. On va faire, attendez. Lap time, non, on va faire continuer. Ouais, pour un centième. On a battu Surf pour un centième. On a le best lap en plus, du coup c'est parfait, on va lui prendre quelques points. Ah non, c'est lui qui l'a, 9. Aïe, du coup, bon, on a qu'un point de plus. Le star bonus, ça c'est bien. Le punch et le perfect bonus, toujours pour Biff. Du coup, on prend encore 2 points d'avance sur lui. Du coup, il y a 51 points à 46. Ça va, ça commence à être un peu plus... un peu meilleur pour nous. Là, je suis qu'en easy. Hein. Ah, faut pas l'oublier. Il y a un mode difficulté encore au-dessus. Là, on est à la plage. Alors, toujours un petit peu lent dans l'accélération. Par contre, c'est le bordel. Hein. Je sais pas... Alors, il faut... Oui, je suis bête. Faut que je saute à chaque fois aussi, si je saute pas. Ouh, s'il est compliqué, il va être compliqué ce tracé. Voilà, là il faut bien gérer les sauts. Alors ce qui est pas évident, c'est qu'on saute avec le... En fait, avec la touche avant, avec la flèche vers le haut. Et du coup, bah, c'est un petit peu difficile de faire ça en même temps qu'on tourne. Faut vraiment faire ça sur le côté. Hop, là j'ai pris encore un truc qu'il fallait pas, c'est pas grave. On va récupérer un petit peu d'étoiles. Ah, et là, je suis trompé. Hop. Alors, vous remarquerez aussi, alors ça, c'est vraiment propre à la Saturne. Mais il y a quand même la transparence qui est gérée au niveau de l'ombre. Je rappelle que la Saturne avait beaucoup de mal, enfin, pas forcément du mal à gérer, mais les développeurs avaient la flemme de mettre souvent en place le système d'ombrage. Et du coup, c'était plutôt du 1 pixel sur 2. Alors que là, on a vraiment le système d'ombrage complet. Et ça, c'est vraiment pas mal. Le jeu est quand même pas mal, hein, même si on n'est pas forcément que sur la full 3D. Il est quand même bien joli. Disons que la patte graphique est quand même bien sympa. Oh, allez, on lui a refourgué notre... Ça, c'est très bien. On lui a refourgué ce qu'il fallait. On ferme une deuxième. Bon, on n'a pas gagné. Je pensais qu'on allait plus galérer que ça, parce que le circuit, je le connaissais absolument pas. Alors, Surf a gagné hein, par contre, ça, et il a, en plus je crois qu'il a fait le meilleur tour. Non, c'est nous qui avons le meilleur tour en 8 secondes 56. Ça te rend duel au sommet. De la ping bonus, oh, Star bonus. Oh, on a réussi qu'à faire mieux que lui, du coup on a le nombre de points. Du coup c'est une course pour rien entre nous deux. Il y a 5 points d'écart hein, entre Zulu et Surf, et c'est la dernière course. Et là on va être sur la course Helmut. Oula, ok. C'est parti. Je vais écouter un petit peu la musique. Oula. Ok, donc ça c'est un circuit très... très fort en pommes. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un circuit... Voilà. Aïe aïe aïe, on va mourir encore.
ou c'est compliqué. Ça circule, ça c'est un tracé, je sens qu'on va galérer. Absolument que je recharge en étoile. Voilà, sinon je vais mourir. Voilà, je vais refourguer, c'est parfait. En étoile, une. Hop. Hop, attention, on n'a pas trop se louper. Ok, pour l'instant on est deuxième. Je pensais qu'on serait beaucoup plus loin. Allez, on va remettre un petit peu de boost encore ici. Voilà, parfait. Moi j'ai 4 turbos, on va pouvoir les utiliser. Alors là franchement c'est difficile. Ouh la vache. Le circuit est très très étriqué. On dirait pas hein, sur la caméra au-dessus avec le circuit. On a l'impression que les virages sont beaucoup plus souples, mais en fait pas du tout. Ils sont vraiment immondes. Et on est en lutte avec le devant nous, avec le même, hein. La même. Voilà, bah c'est tout le monde. Il me reste 4 turbos. Ah, j'ai pris une dynamite à la fin, ça va pas le faire. Ah, je suis dans le côté, c'est pas bon. C'est le dernier tour. Alors là, c'est le dernier tour. Là, c'est le dernier tour. Dernier tour, 4-13 secondes. Allez, accélère, 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 accélère. Oh, ben non, fini deuxième. Bon. Normalement, ça devrait suffire. On devrait pouvoir le remporter, à moins qu'il fasse vraiment tous les points au dernier moment. On va voir ça. Bon, j'ai le meilleur tour, donc déjà, ça me sauve d'un point. Voilà, un point d'écart maintenant. Là, on a toujours un point d'écart. Et je star bonus. Donc en plus, on est ex-aequo. Yes! Du coup, on va remporter normalement le championnat. End of Cup. 75 à 70. Et voilà, le joueur 1 qui passe par trafic. Donc ça, c'est à retenir évidemment si vous voulez. C'est normal, ça a bugué. Oula, attendez, faut que j'arrête de bouger la souris. Voilà, on n'a rien vu. on a une petite cinématique. Alors j'avais trop compris ces cinématiques avec le lapin, mais bon c'est pas, on va dire qu'au moins on a eu droit à ça. Et bah on revient carrément au départ, avec le bah, l'intro en fait. C'est un petit peu bizarre quand même, fini une coupe de recommencer carrément le jeu comme si on avait fait reset la console. Bon, c'est pas grave. Street Racer, donc ça c'est bon. Ouais, du coup un nouveau code, c'est TerraFIK, hein, si je me souviens bien. Donc on a le game mode normal, on va laisser comme ça. Je vais essayer de voir le mode Rumble, à quoi ça sert. On va se mettre en head to head, donc tête à tête. On va essayer de prendre un autre... on va prendre par exemple... bah on va prendre elle, tiens. Voilà. Oh, regardez, on a un mode combat, j'ai l'impression. Secondes, il va exploser là. Voilà, je vais attendre un petit peu. Je vais lui refiler la bombe. Vas-y mec, essaie de me toucher. Je t'attends. Alors je peux toujours changer la vue. Sauf que là on a une vue beaucoup plus plus réduite. Alors il peut m'envoyer des boules. Moi je vais essayer de lui renvoyer plutôt ma... Ah, je me suis loupé. Du coup... Oh non! Je me suis fait rumbled. C'est quoi cette merde? Sumo wins. Ah, il m'a complètement kické en fait.
Ok, j'ai pas compris. Finish time 52. Sort 1,50. Bon, j'ai pas compris. Enfin, je pense que j'ai pas compris. Alors, on a un système avec une victoire, un lost, 2 points. Ok, bon, enfin, le next round, on va voir un petit peu. Donc, en fait. On a ça pour nous aider. Et voilà, oui, d'accord, ok. Donc en fait, il peut nous faire sortir du ring. Mais tant qu'il a la bombe et qu'il ne leur file pas, on est tranquille. Et là, ouais, là, il est sorti du ring. Là, il va encore récupérer. Je vais essayer de lui mettre des coups pour éviter qu'il me touche. Il faut que je fasse attention. Alors, il s'est mis au milieu, du coup, ça l'a pas sorti. Alors, normalement, le mieux, c'est pouvoir lui balancer la dynamite. Mais du coup, il faut considérer le fait que. Si je prends la dynamite. Attends, est-ce que je peux te faire sortir du ring là? Ah, je peux pas le faire sortir s'il a pas pris la. Ok. Ok, donc là on va essayer de la jouer safe. Donc là il s'est fait expulser mais c'était pas assez bon. Et c'est moi qui ai la dynamite. Je vais lui l'enfiler. Et là c'est bon. Là je l'ai foutu dehors. Ok. Donc en fait il faut vraiment réussir à lui envoyer ça au dernier moment. Soit essayer de faire en sorte qu'il soit dans un angle pour se faire sortir par la bombe. Donc là pour l'instant il y a 1-1 du coup. Alors je sais pas si c'est en 2-3 rounds, je sais pas du tout. On va essayer de finir celui-là et on verra si on gagne ou pas. De toute façon j'ai plutôt envie d'aller laisser prendre ça. Quoi que je pourrais, on va récupérer. Par contre, je suis censé. Voilà, là ça va. Là ça va, j'étais au milieu du. J'étais au milieu. Alors, on zone des coups, mais. Oula! J'ai eu du bol! Allez, je vais essayer maintenant de lui. De lui faire chercher la dynamite, voilà, comme ça c'est lui qui va aller la prendre. Ah, c'est moi qui l'ai là à nouveau. Bon, c'est pas le mode le plus épique qu'on ait vu dans un jeu quand même, mais bon, pourquoi pas. Voilà, heureusement, j'ai réussi à freiner. Alors, j'en ai pas trop parlé, mais quand on fait la flèche vers le bas, eh ben, évidemment, on va en marche arrière. Bon, je vais faire. Il est tout petit. Par contre, j'arrive pas à leur fourguer, hein. Ouf. Alors maintenant, c'est à toi d'aller me chercher ça. Voilà. Et non, là ça a pas marché. Allez, vas-y, viens me chercher, je t'attends. Viens prendre la dynamite, vas-y, va dessus, c'est parfait. Alors vous avez vu, regardez. Maintenant, je vais lui refourguer et il n'y a plus de. Alors qu'on dit que le sol est transparent, c'est bizarre, regardez les textures.
Là par contre, il va se faire sortir tout seul, non? Yes, là j'ai sorti. J'ai même pas eu besoin de la dynamite. C'est comme s'il y avait un mode final en fait qui ouvre les barrières et du coup bah, ça nous permet de pouvoir le sortir de manière plus facile, c'est-à-dire pas forcément attendre qu'il y ait une dynamite, mais le sortir carrément en le tapant. Bon, par contre, je sais pas combien de rounds il y a, du coup, on va faire start, on va faire give. J'ai envie de faire give up, mais bon. On va tenter un dernier. Voilà, j'aurais pu sortir largement. Et là, par exemple, je sais pas du tout comment je fais pour lui renvoyer ça. Bon, là, je fais attention. Ouais, je pense que le mieux c'est d'attendre qu'il prenne vraiment la. Qu'il la prenne vraiment. Allez, vas-y, vas-y, va la chercher, tu peux le faire. On va tourner autour comme des cons. Voilà, c'est bon, il a. Par contre, j'ai pas trop compris à quel moment on est censé pouvoir lui refourguer. Aïe. Bon, là, il s'est fait sortir, mais ça l'a pas. Et merde, ça l'a pas éliminé. Vous avez, il réduit en taille quand même, au bout d'un moment. Et ça n'empêche pas que. Ah, celui qui l'a. Lui qui l'a, mais du coup ça a rien changé. Ah là, il faut vraiment que je strate pour pouvoir. Oh, il est pas sorti! Il est pas sorti avec ça! Oh, j'y ai cru. En plus, c'est à moi maintenant. Allez, je l'ai refourgué. Haha! Tu vas faire quoi maintenant? Ah, normalement, ouais, normalement il sort. Non, c'est pas possible! Ah non, regardez, ça a cassé le. Ok, j'ai compris. Il y a le décor qui s'est cassé au fur et à mesure. Et du coup, il commence à y avoir des ouvertures dans l'arène. Ah, c'est pas mal, ça commence à être intéressant comme mode de jeu. Et là, bah là non, ça a pas marché. Alors du coup, c'est à moi de te sortir de là. Comment ça, j'ai pas réussi à te sortir? Ouais, c'est bon, j'ai eu du bol. Par contre, on va pas jouer avec le feu. Pas jouer avec le feu, vas-y, prends ta dynamite si tu veux. Et j'arrive pas à lui mettre les bons coups, oui, au bon endroit. Là, on tourne un peu autour. Ah non, je crois qu'il y avait timeout. Ah, il m'a touché encore, attention. Oh, ne me dis pas que là, il est pas sorti. Il était dessus. Ah, c'est bon, 20 secondes. Voilà, encore une fois. Alors là, je sais pas comment on fait pour sortir, hein, parce qu'il a vraiment. Il faudrait vraiment que je sois sur le bord. Là, c'est pareil, ça a pas marché. Il s'est sauvé à chaque fois. Vas-y, prends-le. Prends-le à nouveau. Il y a bien un moment où ça va passer quand même. Ah ben voilà! Enfin! Enfin, on a réussi! On a réussi. Alors, il y a encore continu. 3, ok. Next round. Ah non, il y a trop de rounds. On va s'arrêter là-dessus. Il y a vraiment trop de rounds différents. Bon, bah écoutez, c'était Street Racer sur Saturn. Écoutez, ma foi, un jeu fort sympathique. Vraiment, plutôt bien réussi. Le mode duel est plutôt pas mal. Je pense qu'en mode multijoueur, ça va vraiment être sympa à jouer. Mode practice, bon, on l'a vu. Le mode championship, vous l'avez vu aussi. Normalement, on a débloqué le mode voilà, silver. Et on a un mode custom où on peut, je pense, choisir un peu plus les circuits, les tracés, etc. Donc ça, c'est pas mal. On a un mode personnalisé. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour un autre jeu. Ciao tout le monde!